gouvernement canadien prend gros sanction contre ancien député Garibodo, Ronnie Célestin et Hervé Foucan. Tout bien que ça a gagné dans le pays Canada, bien ça a pas pour eux encore, bien ça a gouvernement canadien saisi. Raison en pas simple dit tout, ni c'est pas habillé à faire négo, c'est à l'aide de un document, à l'aide de yon investigation qui la cause nèg yo prend nan tchouboum, nèg yo pa bon moun. M'pral bo tout détail si la yo nan kat émission sa, parce que gen pile cause nan la République. Yon lot bo, Ariel Henry qui se premier ministre nou an, di invite peuple la, pendant peuple la konnen, on mise yon grand goût, yon insécurité, dap piyan, et bien invite population à suivre Coupe du monde lan, dans la paix avec sérénité avec fraternité en pile l'amour. Il voyait gros big up pour président FIFA qui fait nous grâce, qui fait pays d'Haïti grâce pour nous capable garder Coupe du monde Qatar 2022 sans problème. Où est Jean président en premier ministre carencé? On va voir tout le détail. Comment nous y est, souhaiter que nous en forme, nous souhaiter que n'ap kembe. Gouvernement canadien par le biais des ministères affaires et étrangères dans le pays Canada, yo mette yon communiqué pour la presse dans la rue pour annoncer avec le monde entier gagnent trois gros autobré dans le pays d'Haïti nek sa ou te kon ap coupé ap raché dans question politique là et jusqu'à présent gagnent qui toujours sous scène on est temps pour Ronnie Célestin. Et bien mes chers amis, gouvernement canadien prend sanction contre nèg sa yo. Tant que Garibodo, Ronnie Célestin et Hervé Foucan. Yo reproche nèg sa yo comme quoi nèg yo utilisé pouvoir que yo gagnent pour yo faire trafic drogue, pour yo blanchir l'argent et pour yo en connivence ensemble avec bandi dans pays d'Haïti. Et yo di nèg sa yo depuis c'est bien que yo gagnent dans le pays Canada, où était l'esprit au sous bien ça, parce que le gouvernement canadien saisit bien avec ça, parce que négo fait bien dans mal. Est-ce qu'on comprend bien ça, me dit là? Qu'il y a trois moun sa yo que le gouvernement canadien li sanctionné yo là, on regarde qui est yo. Lorsqu'on est coué Garibodo, Garibodo qui sorti en bas plateforme bouclier, qui se kokot ak figao avec régime PHTK, ve mouche son nèg dans un temps pas de soin dit tout. Mais après passage li nan chambre député a, nèg sa c'est pas n'importe moun qui gen l'argent qui capable cavalier pour le cal, c'est-à-dire monsieur gen l'argent dans tout coin dans. Est-ce que c'est chambre député a de pour entrer là dans faut à tout millionnaire John aussi. Mais là nous connaissons déjà qui va les déclarations qui fait sous Bo Garibodo dans question corruption, nous pas gain bouche pour nous parler, nous obliger pleine. Bon, Ronnie Célestin, ça son nèg lui même, moi le monsieur Linto. Raison parce que dans la République, pas gain monde que monsieur paix. Pas ca dou c'est suite avec acquaintance politique li, suite avec nèg qu'elle fait cocodaille avec yo. Quitte dans le secteur privé, quitte dans la politique, quitte dans la justice, tout ça, li pa pepe pap. Mais mon cher Ronnie Célestin, c'est un nan moun que Canada sanctionne yo, et yo saisi bien, à titre rappel, dans l'annexe passé yo là, monsieur acheté yon kay dans Canada qui coûte 4,25 millions. Et les moun, m'capable di les presse canadienne, yo tapé de parler des dossiers ça qui ça on sénateur a réglé Haïti pour l'acheter un kay 4.25 millions. Eh bien te gen un journaliste, on pas les journalistes, yon sonner et comment monsieur le encore John Conan Morvan, monsieur te ba en pile détail dans question kay ça. Eh bien comme réponse Ronnie Célestin t'a pral bay mes chers amis, ça c'est rappel m'a fait pour nous. Oui, monsieur te dit 4.25 millions li pas en rien devant achat qu'elle fait déjà, étant donné son pays qui gagne l'ordre, les acheter quand là, tout le monde a questionné. Même si c'était l'argent sans gratter tête.
c'est pas n'importe millionnaire non pas et pas actionner n'importe millionnaire non monsieur acheton caille mes chers amis et caille a tellement chaud pour lui caille a pas sous non selon information c'est sous non boubout li qu'il mettait caille là mais caille ça que monsieur se dépenser 4.25 millions de dollars canadiens pour être capable acheter ben un moment caille a pas pour lui gouvernement canadien prend caille là elle a dit au saisir parce que l'argent que monsieur était prend pour te acheter caisse là, l'argent pas clair. Son l'argent qu'elle fait dans question drogue, son l'argent qu'elle fait dans blanchiment, son l'argent qu'elle fait, vous comprenez, dans acquaintance qu'elle gagne avec gang dans pays d'Haïti. Et bagay qui plus grave, m'a rappelé nous, te gon douane, pas songe qui douane. Mon cher Oni Celestin te gagne plaisir qu'on te nek à entrer plusieurs boîtes. Ben mon cher li te passé l'autre pour boîte li yo pas fouiller l'arrivé nan proa malgré agent douanier yo te fait tout ça que au capable pour te fouiller boîte yo et ben te gen quelques policiers qui te accompagné Roni Celestin mes chers amis et bien policier ça a été tiré sous tête agent douanier yo nèg yo te passé avec boîte yo en mode gros poignette mais moun que Canada sanctionné là et ça veut me dire dans commencement émission hein c'est pas abino mais raison ou pas simple du tout quant à pour Hervé Foucan même mes chers amis on kon di gomba qui dit pendant n'a parlé d'intel mais il paraît en parlant du long on voit ça que m'a kon si bien dit mot français mais c'est comme ça vous comprenez Hervé Foucan son nex c'est pas jodi a c'est pas hier que non ab cité dans question drogue mes chers amis son nèg son comprendre debout garder l'hôpital pour moi même son nèg debout garder en bas zone li pour ça yo di des monsieur dans question drogue faut ajouter un petit bout blanche pour tellement parler de tout ça pour tellement tout ça yo cité non dans question implication petit bout là mes chers amis eh bien tout ça li c'est bras droite mouché Matéli nèg li même avec Matéli c'est cocotte ensemble avec Figaro eh bien c'est trois Zotobre sa yo, trois gros tour sa yo, que pays Canada sanctionné. Est-ce que pas gen l'autre moun qui sou lis pour ta sanctionné? Claro que si, oui, gen moun nan jou kap vini yo la, nan minute kap avance yo la, nan semaine kap vini yo la, ou pral konnen l'autre moun qui complété liste de sanctions si la. En pile moun ap pale pour mouche Michel Joseph Matéli, ret branché. Gen ti detay kap vini, m poko fin compiler tout. Mais information yo a privé jeune moi attend depuis yo rivé m'a partagé yo ensemble avec vous et suite avec sanction ça sa, que yo prend contre trois bras droite mouché Matéli yo dit mi c'est pas vivre en paix est-ce qu'on est journée jodi a là ancien président Matéli a fait face avec un paquet de problèmes mi c'est pas vivre santé non même soit mi c'est a pris c'est force la force Jean Grand Moun yo dit la prélé sous quoi ah oui Monsieur gon tension qui toujours a déranger lui, ça l'a stressé. Monsieur gen problème, gen quelque bagay qu'il te fait nan moment il te gen pouvoir, il commence à regrette. Li pense chaque jour, farine ta bin nan même sac ou bien ti malice ta pou bombe. En tout cas, bagay la vraiment compliqué. Gen l'autre nèg là, on prend yo pas vivre santé di tout bon. On prend nèg yo dé pas fini sous pied, c'est pas l'autre maladie, c'est diarrhée suite avec Jean des sanctions ça ok a prend contre yo et m'a rappelé nous toute sanction ça au vini c'est après résolution que négoté prend à travers un tableau dans ONU est-ce que comprendre pour te pencher sous problème pays d'Haïti a fait face que en pile nèg gros autobre majon genre qui dans politique là mettez pays d'Haïti là l'autre détail l'autre information qui est important gagné PM Ariel Henry monsieur ça Mais monsieur son petit comique. Est-ce que vous comprenez? Son petit comique qui vient là qui touche l'argent nous parce que vous imaginez où Jean pays a est là. Même si me connais ça important, oui parce que pour ne pas être hypocrite, ça va là il faut dire quand même. Malgré tant de veut pas veut faut là les gaz là faut le bagaille. Est-ce que vous comprenez? Quand même n'a pas une coupe du monde là vrai. Mais vous imaginez un monde qui est responsable. Un monde qui est responsable un pays qui a dégringolé. Yon pays côté la vie chère, on pays côté cloque ça, on grand goût à dépasser cloque qui c'est poison rat. Eh bien, dans toutes ces constances ça yo là, li choisi inviter population hein pour regarder Coupe du monde lit.
Coupe du monde a commencé 20 novembre pour le Kaba 18 décembre. Si même moi m'a fait un défaut qui donc Ariel a gagné au mois là tête glace tête en paix. Et le dit moun yo gardez ti baï nous, gardez ti football nous, nan fra en one et nan fraternité, gardez ti football nous nan sérénité. C'est ça qu'il invite population en fait. Et m'a rappelé nan moment Coupe du monde d'Ambral déroulé là, ou a besoin $114 pour acheter un gallon gaz. Quand t'as pour l'aïe la li même yo di m'pa genye l'an pays d'Haïti. Tellement rare. De tête l'aïe pour 250 goud. $50 haïtien. Yon grain en barre di yap baoul pour $20. Mais pays, Ariel Henry en tant qu'on responsable, on chef du gouvernement, a mandé mes chers amis pour nous garder ti match nous dans sérénité. Et pas oublier, longtemps te qu'on a sorti, yon a la banza te di avant sorti, songe brillé. Mais je ne veux pas mettre prier, ou mettre gêné, ou sortir ou rentrer, c'est parce que bon Dieu veut rentrer, ou bien tout, bandit a, j'ai pas de tomber sous, bien le poko besoin. C'est ça qui est lié. Ariel Henry, li voye tout ça rejeté pour le fond de poser sous question Coupe du Monde là, malgré enlèvement fait chaque jour, malgré la vie a vin pidi de jour en jour, insécurité alimentaire a augmenté chaque jour plus, mais ça pas empêché. Pour le voir et nous aller regarder ce match. Mais quand il y a posé la question, il y a un problème, non? Et Ariel Henry pour match là. Et pour courant, il y a une façon pour faire peuple là, jouer un petit courant pour regarder la Coupe du Monde là. En tout cas, alors vraiment compliqué. Mais pays n'a pas vivre là, j'en l'autre la deal. Pays a vraiment difficile, sans mentir. Yo, le petit nègre, tu peux la voir information. Dans la dernière semaine, Coupe du Monde là, nous entrer carrément section sportive là. Responsable sport et dans radio éclair, radio télévision éclair, pour monsieur Banou explication. Mais permettre de rappeler, dernière semaine ça, faut qu'on prêt. Faut que radio et télévision éclair prêt. Parce que c'est une grosse équipe. D'après ce voir là, monsieur, bonjour, parce que hier, et population tape nous là. Bonjour, bonsoir et le monde. Bonjour, bonsoir Haïti. Et bonjour, bonsoir Pierre Martin à toutes, ainsi que Josué et Lexidor. Bonjour, bonsoir Gétine et toute équipe là. Monsieur, c'est un plaisir pour nous là aujourd'hui. Hein, qui c'est peut-être et un jour très spécial pour Coupe du Monde qui a privé là dimanche. Bonjour, bonsoir, toutes amis, téléspectateurs, téléspectatrices, Téléclair et TVA chaîne 30, auditeurs, auditrices, radio, Téléclair. Nous très contents et avec José Lexidor, Pierre Martin Tatout, son grand connaisseur. Oui, nous avons fait jouer là. Off mic, nous avons parlé et Jean Blanc est capable de dire son package. Et nous saluons Henri, nous saluons Babas, nous saluons Rolando et nous saluons tout le monde qui est déjà là, tel fort. Nous allons parler football, ça même. Oui, nous allons parler et donc un autre record et un paquet de bagailles. Puisque jour J, on dit. Ouais. Toi. Comprenez? Et jeudi là, à quelques heures. Oui, et à quelques heures. Et, du Mondial Qatar 2022, soit la 22e édition. Vous comprenez? L'on fait et 2 plus 2 que 20 et 4 libres. Oui, pas de l'autre côté qui suivre la Coupe du Monde. Pas de doute dans ça. Qatar 2022, que Radio Télé Éclair, Pierre Martin Tatout, bagaille en pile. Et en pile belle et message tout, comme ça tout, en pile et nouvelle triste concernant. On n'a pas qu'une équipe dans la Coupe du Monde là, puisque la France c'est une équipe qui est plus victime dans ce qui a trait à blessure. Oui. Nous allons parler de ça. Et dernière blessure en date, c'est donc Nkunku, joueur équipe RB Leipzig, mais qui est donc avant un message de réconfort pour toute équipe de Chine. Nous allons venir ensemble avec ça dans ce temps. Oui, oui. Mais et blessure là, c'était prévu. Non, et puisque c'est après que vous avez convoqué en équipe nationale. Et à l'entraînement même que et donc Kamavinga blessé monsieur dans la cheville, bon peut-être vous comprendre, il était déjà fait partie de l'Islande qui sorti hein, et d'ailleurs monsieur Kounia qui forfait pour Mondial Qatar 2022. Automatiquement nous pouvons commencer, ça veut dire que sélection a remplacé monsieur. Oh oui, il est déjà remplacé. Oui, c'est gain temps, il est remplacé. Et remplacé. qui le il pas qu'à remplacer monde. Bon, immédiatement Mondial a commencé. Immédiatement Mondial a commencé ou pas qu'à remplacer pas qu'à remplacer mon ami. Monsieur, me ferme bouche, moi, obtenez de nous. On a l'égitine. Ok. C'est des messages de haine
qui va aller jouer canal message on pas comprendre comme si c'est n'est capable jamais fait exprès ça arrive tout le temps dans entraînement à la veille du mondial en prélude à mondial dans entraînement et des joueurs qui blessés m'a regardé en tac et Daniel Alves fait sous Anthony sous Anthony son on tac monsieur dans cheville nèga monsieur il manque blessé le tout mais ça mais ça arrive tu es déjà un petit parole en pile en France non a fait de marabout Paul Pogba donc kounya la moun a questionné tête yo est-ce que ça va venir rentrer oui gen ça est-ce que va venir rentrer en ligne de compte mais message et yo comme si menace qu'a voyé le jeune monsieur yo ba ça li ba en place non oui et surtout ça a sorti à l'encontre de fanatiques encore de l'autre monde mais et gon message de respect et de fraternité un message de solidarité de Nkunku envers et Kamavinga et monsieur qui est donc remonter moral groupe là peut-être nous va le partager message Nkunku à le conscience avec grand public là on pense tout et monsieur moral est vraiment haut et une équipe qui a première coupe du monde lui avec une équipe qui à peine sous champion du monde mais c'est presque 10 non effectif ça c'est première fois ouais, je m'en dis ah oui oui et la ça, France ouais, ça t'est arrivé Zidane tout avant coupe du monde 2002 hein? 2002 non match amical ok Zidane d'abord joué pour la France et en 2002 et coupe du monde que éliminé dans le premier tour là et non match amical Zidane blessé mais quand même il est avec Zidane Zidane souvent la brigade de la France qui a éliminé dans le troisième match en phase de groupe. Oui, il y a une partie ensemble avec quelques points que nous avons gagné pour nous. Bon, développer. Tout d'abord, nous avons gagné pour nous parler de, à titre de rappel, groupe mondial et plusieurs groupes dans le mondial. Mm-hmm. C'est 8 groupes, Samuel. Et puis, nous avons le Brésil, l'Argentine, dans qui groupe respectivement que nous avons. Mais tout d'abord, nous avons une journée inaugurale, la guerre avec Qatar et Équateur qui trouvent oui. Dans le groupe A. Et Sénégal, nous Pays-Bas. Nous parler de match ça et Qatar et Équateur. Et puis dans le groupe B, c'est l'Angleterre, Iran, États-Unis et puis Pays de Galles. Dans le groupe C, l'Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne et puis la France qui trouve l'élite dans le groupe DA qui est Australie, Danemark et Scandinavie avec Tunisie. Dans le groupe E, l'Espagne, Costa Rica, Japon et puis l'Allemagne et puis groupe F là qui est Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Et puis groupe GA qui gagne le Brésil, Serbie, la Suisse et Cameroun. Et puis groupe H là qui gagne Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Et parmi ces groupes là, Gétine, groupe considéré comme groupe de la mort, c'est le groupe E avec l'Allemagne, l'Espagne et Japon et Costa Rica. Et on rappelle nous Costa Rica en 2014 qui était participé dans la Coupe du Monde et qui était éliminé sans perdre un match. C'est ton belle génération équipe costaricaine là. Et faut que nous disions tout et Keylor Navas c'était un gros artisan et gros sac ça que équipe Costa Rica a été fait oui. Une très bonne participation dans la Coupe du Monde 2014. C'est d'abord qui était devant équipe là Hollande là quart de finale dans tir au but. C'est une très belle équipe costaricienne. Mais Samuel gon parole dans la rue un paquet de monde a questionné tête yo gont anticipé et si n'a regardé et calendrier là et Brésil et l'Argentine qui possibilité qui gagne pour t'a rencontrer parce qu'on est peuple à sensible oui. Pour équipe et donc Brésil et équipe Argentine c'est peut-être deux équipes et haïtien au plus focus sur yo quand il s'agit de c'est là budget a fait tout oui. Et là yeah et là plus mal on va parler de ça réellement et Gétine mais avec tout et Cristiano Ronaldo qui est de nos jours a fait parler de lui et on est capable de dire et Cristiano Ronaldo aujourd'hui que en pile yeux pas trop focus sur lui dans jouet là mais Cristiano Ronaldo monté au créneau sérieusement pour est-ce que c'est pas essayer la BCE mettre tête li en bas en spotlight OK comme s'il a mettre tête li en bas en projet on est pour parler de Cristiano Ronaldo faut que ça nous font bagarre pour lui faut font bagarre pour lui c'est Cristiano Ronaldo avant tout et pour jouer dernière coupe du monde lui dernier mondial lui. Mais pendant que vous dites qu'il prend le jeu dernier mondial, il n'y a pas oublié Portugal vient tout s'allier et Cristiano Ronaldo pour beaucoup. Oui. En 17 ans, c'est 3 mondiales. Oui, avant Cristiano Ronaldo. Avant Cristiano Ronaldo, c'était 3 mondiales. Et après Cristiano Ronaldo, c'est 5 mondiales sur 5. Et 8 participations pour l'équipe Portugal. Donc c'est un Cristiano Ronaldo qui mettait Portugal sur le toit du monde. Même l'heure que Cristiano Ronaldo, pas monde qui manquait plus de goals pour l'équipe Portugal dans la Coupe du Monde. Et Cristiano Ronaldo qui a fait des déclarations fracassantes et Manchester United pas d'accord avec lui.
Alors que et Manchester City qui démenti et une partie dans déclaration ça à côté que monsieur fait qu'on est et City était intéressé ensemble avec lui et matin et selon ESPN Manchester City fait qu'on est pas jamais intéressé ça a son bon moyen. Oui. Pas jamais intéressé avec Cristiano Ronaldo. Ça son bon nié ça. Oui, et même Jean et Gon Paquet. Alors nous bien dit selon ESPN. Oui, même Jean que Gon Paquet et l'autre club qui pas jam intéressé à Cristiano Ronaldo et yo jusqu'à présent continuer à faire connait que et club ça va faire demande pour Cristiano Ronaldo. Est-ce que ça va pas jouer en défaveur li dans mondial là psychologiquement le pas faire effet sur Cristiano Ronaldo. Bon Gon Paquet bagage aujourd'hui qui commencer à faire effet sur Cristiano Ronaldo. Comportement Cristiano Ronaldo et même dans entraînement équipe portugaise là aujourd'hui et comportement pas bon. Il pas fait l'unanimité. Yeah, et comportement Cristiano, il pas fait l'unanimité dans et VC. Alors go déclaration moi elle fait là, il dit il demande monsieur est-ce que et coéquipier lui tendel. Est-ce que vous tendel monsieur dit gien là dedans qui tendem, gien pas majorité là dedans pas tendem. Mais ça pas tendem mieux, yo connaît déjà, ça fait ça c'est parce que yo pas gien longévité dans football là comme si n'a gien qui était ouais. Et coéquipier lui dit on va gagner longévité que le gagner évident. Oui, donc, tout ça c'est go tout. Oui, et oui. Ça c'est go. Et Getchin avant même c'est de ça on va parler bien entendu mais avant que nous commencer et donc avec information qui te nous rappelé que gagner et différents sponsors qui ont même déjà et à bord pour cette Coupe du monde Qatar 2022 et celle qui a donc de Sunwave et Getchin gagne encore. Et pariage la caille, jouer facile, toucher rapide. Gagner Easy Minute. Et puis Haïti et Broadcasting. Sans oublier. Lisa Loto, puis bon joueur de bolette là que vous mettez à la caille avec téléphone ou à l'aise. Et puis Napton, d'autres sponsors de marque, puisque Anessa, Anzi 2022, c'est pour la télé éclair, la chaîne 4 et la radio éclair. Parce que en ce qui a trait à information, en ce qui a trait à football mondial, bien entendu. C'est référence absolue. Donc, pas de doute dans ça. Et nous a préparé nous. Tout décor est déjà bien planté. Et puis, Samuel, il y a autre bagaille que moi, nous pas penché sur lui. Et l'Argentine de Lionel Andrés Messi Codicini. Messi qui, jusqu'à présent, a fait la une de l'actualité. Et dans ça qui gagne la Coupe du Monde qui va le faire là. Il a parlé de Messi en pile. Et hier, l'Argentine jouait un match amical avec l'équipe Émirats Arabes Unis. Qu'il pulvérise 5 goals à 0 parmi lesquels Léo Messi passe au buteur et Andy tout et ça fait même ça fait monsieur 91e goal avec la sélection avec d'Argentine de football. On aller plus loin pour nous dire que Lionel Andrés Messi Cuticini et reste équipe Languetchin bien avant que yo t'ai joué match amical ça yo gen tan 14 yo 14 déjà bien avant que yo t'ai joué et yo t'ai joué match amical là et bien yo t'ai gagné une séance d'entraînement qui t'ai gagné une bagatelle de 15000 moun payé ticket vinn garder entraînement ça cap scandé le oui. Nom de Messi. Messi tout le monde dans stade là mais moun yo té même envie envahir espace là c'est avec un pile et précaution que yo té fait nèg yo quitter espace là après entraînement et c'est peut-être une coupe du monde qui va jouer que et en pile moun parler et faire même mise ou encore montrer que l'Argentine et c'est une équipe qui paraît favori pour mondial ça même là que nous connaît équipe brésilienne en quelque sorte et toujours rété comme un grand favori et Léo Messi il dévoilé et qui est-ce qui est pour lui-même favori coupe du monde ça moi voulais dire un bagage qui fort là et ça que je dis moi partager lui l'Argentine pour moi c'est équipe qui a plus bien rivé dans mondial oui en confiance avec déjà un bagatelle de 37 matchs 37 matchs sans défaite et fraîchement saute prend finalissima bat l'Italie. Et pas oublier Copa América que tu as cherché en compétition internationale longtemps que tu n'as pas de cabre, c'est Brésil qui te bat. Donc, son équipe qui a confiance et son équipe tout le monde décide de jouer, mais tu connais ton chef suprême de l'équipe là, qui oui. Parle l'autre que oui. Lionel Andrés Messi. Un peu de respect pour M. André Vissel. Un peu de respect pour Messi qui est différent de Cristiano Ronaldo. Jodian là, et c'est. José Alexis doit se mentionner. Oui, c'est ça nous avons dit là tout. Et Jodian, André Vissel, Portugal et l'Argentine, c'est deux bagages différents. OK et gagnons harmonie gagnons respect mutuel et d'autant plus Léo Messi li a fait l'unanimité en devisé là comparativement à Cristiano Ronaldo ça n'a dit là qui est contraire
Donc Messi qui a préparé lui et puis Samuel faut nous parler de plus jeune joueur qui pral jouer dans mondial là. Et c'est Youssoufa Moukoko et monsieur qui gagne 17 l'année qui va évoluer en dedans et sélection allemande là la National Mannschaft et joueur ça et monsieur qui gagne on bagatelle de 17 l'année. Oui, oui. 17 ans, c'est le plus jeune joueur qui va jouer en dedans compétition bien dit Youssoufa Moukoko qui est différent et avec plus jeune joueur qui remporté mondial Coupe du monde à savoir jusqu'à présent il y a des gens qui doutent de ça mais il pas en doute que Pelé il y a des gens qui disent Luis Tanzaro da Lima Ronaldo à 16 ans en 1994 et c'est si c'est lui même dans finale là Ronaldo pas joue seconde dans mondial c'est mon cher c'est nous comprenons. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas donner Paris pour ça, non? Non, Paris n'a pas de écrasé. Ronaldo? Pelé. Non, oui. Pelé. Pelé? Non. Même Jean-Tou, Anissa, supposons que tu es arrivé. Enrique, comment est-ce que tu es arrivé? Enrique. Enrique, qui est l'âge, Enrique? Et monsieur qui a 17 ans. 17 ans, monsieur. 17 ans. 17 ans, Enrique. Si monsieur est Enrique, c'est Enrique qui est plus jeune. Oui. Et me connais même l'impression pour passer Brésil, je ne vais pas donner parce que ça c'était de faire. Oui, ça a porté de faire parce que Brésil déjà gain ça, oui. Jeune joueur. Monsieur gagné le connia, il parait le. Ça a porté en forme. Monsieur en forme. Non, il était carré. Et ça bail et phénomène en pile problème. Oui. Monsieur parle de ça et il m'a parlé de Luis Tanzaro da Lima Ronaldo. Et donc ça va nous en pile problème que monsieur était doit aller dans mondial avec et oui il était aller avec monsieur dans mondial là alors que là li aller avec Daniel Alves là qui et Daniel Alves qui manquait retirer une et pion important Brésil en dedans mondial là et c'est Anthony voilà, monsieur qui font tacle sévère et tacle dévastateur qui est capable et mettre et Anthony en route alors c'est une pion que Brésil comptait sous lui pour mondial là OK et lorsqu'on joue de telle classe même si c'est un dribbling et inventé là, il fait tourner tout en ballon. Oui. Et même là que récemment dans Manchester United, coach a dit Dimitri pas prendre ça. Alors si alors coach a dit Dimitri souffle son action qui capable pour sortir tête tout qui utile. OK, mais si c'est showbiz va faire malade. Non mais pas oublier brésilien yo c'est style ça, c'est showbiz. C'est modèle football ça. Bien là ca. Bien que oui, yo perdu lui, yo perdu notre style. C'est pas l'argent avant tout. Belle bagaille, c'est spectacle. C'est spectacle. Ouais. C'est une raison, conseil de amis qui fanatique, qui pas d'accord avec Neymar. Mais c'est style football brésilien. Oui, c'est Neymar. Pas comme ça. Tu es contre Denilson comme ça. Denilson. Hey. Argentine de gagner avec Ortega. Ortega, toujours jeune Mounzao. Où est-ce qu'il y a dans le football et Josué? Il y a là, si nous ne pas venir, Josué qui a fait un bagaille et quand même. Non, mais c'est Radio Télé Claudie. Évidemment. Mais ça crive Samuel, dans 32 pays qui va participer en dans la Coupe du Monde, c'est seulement 8. Qui champion déjà. Oui, et c'est seulement 8 dans 32 pays qui gal et gagné et en quoi snap by les un qui a titre. OK, et nous gagne l'Italie qui pas là qui remporte déjà 4 coupes du monde. OK, c'est Brésil quand même, c'est l'Allemagne qui gagne 4 coupes du monde tout, gagne la France qui gagne 2 coupes du monde, l'Argentine gagne 2, gagne tout et l'Angleterre qui gagne une, Uruguay gagne 2. Et Getchin, c'est 8 pays. Et c'est 8 pays qui Andy et qui pral dans mondial ça et sous 32 quand même ça prouve que et mondial qui pral jouer là et Getchin et grand pile bagage qui capable passer surtout le considérer en équipe tant l'Italie qui essayons et mentor dans la Coupe du monde qui pas là et ça fait ça porter en pile critique sur l'équipe italienne là jodi hein et qui grand pile bel joueur mais qui pas capable atterrir avec une équipe comme ça qui pas dans mondial 2022 et d'ailleurs c'est deuxième fois consécutive que au pas une sélection italienne dans Coupe du monde après 2018 l'Italie pas là et 2022 l'Italie pas là ça a laissé à désirer. On va juste garder championnat ou on voit raison que voilà comme oui, si oui. Tout gagne longtemps ça était force Italie c'était calcio c'était championnat. Maintenant on va garder tout joueur qui a essayé sortir là c'est des étrangers. L'autre il était même le gon quota oui pour qui pour dans chaque équipe. Oui. T'es gon quota de italien qui t'es doué jouer dans chaque équipe, qui t'es doué titulaire. Évidemment. Donc gain longtemps là on pas ouais italien yo au devant de la scène comme si et bon on va demander tout
côté bon bien entendu il y a un paquet de jeunes joueurs là qui a monté. Oui, il y a un paquet de jeunes joueurs. Et d'autant plus tout et par exemple l'ena pré sélection italienne ça pas de Federico Chiesa, c'était un gros artisan dans l'équipe ça. Bon, oui. C'est bien dommage. Et puis et Samuel me pense il est vraiment et important oui pour nous ta bien que l'heure qui gagne après la guerre pour nous ta faut tu parler légèrement ca nous mieux monsieur parler 4 bon 11 probable que ce soit Brésil et l'Argentine le peuple t'a rien mais comme ça enfin même que nous parler de 11 qui te nous dit et qui côté Brésil avec l'Argentine qu'a croisé c'est toutefois donc on dit et dans coupe du monde ça qui côté yo qu'a croisé ça qu'a permettre que yo croisé et dans phase ça et Getchin bien entendu et Brésil et l'Argentine respectivement nous connaît et qui dans mondial là et Brésil qui dans et l'Argentine qui dans groupe C hein et équipe brésilienne Getchin qui trouvé li dans groupe G hein et bien et comment lié si toutefois l'Argentine premier dans groupe là Brésil premier dans groupe là yo gen possibilité pour croiser en demi-finale et c'est toutefois Brésil premier dans groupe là parce que c'est premier A deuxième B et c'est toutefois Brésil deuxième dans groupe là l'Argentine deuxième dans groupe là tout il y a même possibilité ça pour aller croiser dans la demi-finale a dit son faux pack pour faire une finit premier une finit deuxième l'inverse est tout aussi vrai et maintenant possibilité pour croiser en finale c'est si une finit premier dans groupe là et l'autre la finit deuxième dans groupe là mais que Brésil goumen là pour finir deuxième et même là encore nous nous pas dans mon final avant la lettre et qui j'en dis jusqu'à présent en demi-finale Brésil Argentine déficité pour Amérique. pour l'Amérique en quelque sorte et pour l'Amérique surtout avec déclaration Mbappé là oui Mbappé, et ça récemment Mbappé t'a fait hein OK tout le monde connaît déjà et je dis là l'Amérique vient pour le prouver parce que à un certain moment c'était même nombre de titres mondial là on dit donc zone am sud là et on dit zone Amérique là bien entendu et l'Europe je dis l'Europe qui devançait l'Amérique pour 3 coupes du monde. Mais ça crive, ça crive Brésil pour qu'on parle dans zone dans fait moyen ni. L'on prend et la France ou prend l'Angleterre ou plus sûr ou pas qu'à rivaliser Brésil évidemment et dans zone Europe là. Brésil quand même c'est 5 fois champion du monde. Et l'Argentine c'est 2 et l'Uruguay c'est 2. C'est-à-dire c'est 3 équipes qui mettent tête ensemble qui remportent quand même 9 coupes du monde. Et puis gagner dans zone Europe là et on dit c'est 4 ou 5, je crois 5 équipes qui mettent tête ensemble qui remportent une bagatelle de 11 12 coupes du monde. C'est-à-dire et l'Europe et l'Amérique là pour une coupe du monde depuis 2002. Ah oui. Et début 2002. Et là 2014 j'ai eu possibilité pour y aller. Orlando Pomodoro. Tu vas être gros fanatique Brésil dans ce tour là. Non, et gon base qui a préparé sérieusement. Et nous connaissons dans en bas Delma là toujours gon base sérieux. Argentine Brésil. En bas Argentine Brésil. Et 56, 56. Et hier me font passer dans zone là, monsieur, nèg commencé préparer sérieusement. Félicitations. Même jamais. Ou comment se sentir pour Haïti en l'air. En l'air évidemment. Haïti d'abord, Haïti d'abord. Et là nous même Radio Télé Clair nous déjà dans la rue hein. Et n'a cherché côté et donc fièvre là. Normalement dans pièce là dans la rue. Évidemment côté frénésie hein, côté ferveur populaire là lui-même li accentué. Parce que je dis hein, y a une bagaille qui est un petit crasse rigide pour nous en Haïti. Sous pas sorti là arrivé là pas ouais, ou pas connaître s'il y a coupe du monde. C'est calendrier, nous pas presque ça. Avant-hier. Oui, nous t'ai parlé de ça. Fièvre football là ou manquer ou pas trouver là la rue. Il est vrai, conjoncture pays a pas permettre ça. Mais j'ai l'impression que c'est même à travers le monde. Nous avons pris exemple là, Getchin sur musique là. Oui, musique là. Qui n'est pas vraiment populaire. Il n'est pas arrivé, il n'est pas arrivé sur le monde. Il n'est tellement pas arrivé sur le monde. C'est Shakira qui a relé pour aller chanter Shakira. Évidemment, évidemment. Là encore. Évidemment. Et gens que nous connaissons, lorsque nous avons une Coupe du Monde, même une série de musique Coupe du Monde, nous repasser tel que et 90 là qui qui jusqu'à présent était comme une plus gros une plus belle musique coupe du monde et 98 tout et que africain était chanté c'est pas go là c'est l'autre là 4 années ont passé et me pense que une série de musique qui était qu'on river sur dans le temps pour montrer fièvre coupe du monde là que aujourd'hui on pas jouer même dernière coupe du monde là il pas mais mon seul t'as gagné plusieurs donc voilà t'as gagné boule de pas de monsieur qui utilisé comme musique c'est là pour montrer que et clairement Qatar pas un pays football jodiant l'obay Qatar et organise une coupe du monde et d'ailleurs Qatar pas une tradition il pas une tradition ou il était un stade qui date et très longtemps de cela depuis 1976. OK, Qatar a un grand stade et je dis, il fait une bagatelle de 7 stades artificiels.
OK, ça veut dire et son série de stades qui joue dis après la Coupe du monde, automatiquement mondial fini, yo prend ça yo emballé yo, il a fait l'autre construction ensemble. Parce que c'est sous container gain c'est qui fait là, OK? Mais c'est pas petit bagage petit non. Belle bagaille, belle bagaille. Belle infrastructure qui fait 4 ans. Même là encore la France et une série et ville française qui décidait pour pas mettre aucun écran géant et pour boycotter mondial. Pour question climatique. Monsieur, il faut que nous bailler numéro de téléphone commerçant qui besoin et puis bon bailler rendez-vous à qui l'heure c'est dimanche. C'est dimanche à 11h. Et nous-mêmes qui l'a gagné émission nous va gagner. Et n'a gagné émission samedi et samedi. N'a gagné émission samedi et n'a fait spécial. Un spécial mondial. OK, nous va parler de tout et de rien. Et de 1930 à 1900 et on dit donc à 2022 là non c'est nous qui recevons map là mais non nous qui recevons il est très content non pour nous recevoir il faut qu'il y ait bagaille il y a des bagailles il y a des bouts de clair il y a des bouts là qui ça clair je suis assemblé le malade.